Ryzen 3000. Yeah! Ok. Ils arrivent. Ok. Ce mec est fou. Bon, attends, je peux faire ma synchro, s'il te plaît? Merci. Yeah, ça pique les oreilles, hein. Bonjour, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien chez toi et chez ta sœur. Alors, je te l'avais dit. Paix à son âme. Bon, alors, on est ici pour parler de la WWDC d'Apple de juin 2019. C'est passé, je sais, mais je vous fais le bilan résumé au propre. Je l'avais dit dans mon live Facebook, j'allais vous faire ça. Voilà, allez, salut, hein, au revoir. Non, c'est pas encore fini. Alors, c'est parti pour les petites nouveautés. Enfin, les nouveautés. iTunes terminé, hein. Fini, hein. Rideau, clac. Présenté à la Macworld de 2001, le système qui nous permettait à tous de synchroniser les musiques, les photos, les films, trucs sur son iPhone. Terminé, rideau, merci, au revoir, clac, salut, salut. Et puis alors là, fini, hein. Sur le prochain macOS, terminé, hein. Plus d'iTunes, hein. T'auras beau le chercher, terminé. Pour ça, ils ont pallié au truc en mettant Apple Music, en mettant TV, ouais, ça s'appelle comme ça, hein. TV, films, tout ça, tu sais, toutes les applications à côté là qu'il y avait déjà sur macOS pour pallier à ça. Et tu pourras enfin, je dis bien enfin, oh sacre saint, enfin, synchroniser ton iPhone depuis le Finder, l'équivalent de l'explorateur Windows, hein, mais sur Mac. En gros, quand tu vas brancher ton iPhone à un Mac, il va apparaître dans le Finder sur le côté, tu sais. Tu pourras aller dedans, naviguer dans les fichiers, faire ta synchro tranquille. Le système est bien foutu. Moi, je dis, même sans iTunes, on va pouvoir s'en sortir. Il y aura un temps d'adaptation, mais on va pouvoir s'en sortir. Voilà, donc ça a été une des plus grosses annonces, on s'y attendait pas. Et si, en fait, ils l'ont vraiment fait. Déjà sur les comptes, je sais plus, Instagram, Twitter, Facebook, il y a un des comptes qui a été clôturé. On a commencé à faire comme ça. Et puis non, en vrai, ils nous ont annoncé ça. Double E. Le prochain macOS, justement, ce sera macOS Catalina, du nom, encore une fois, d'un... Je sais plus, d'un parc ou d'une montagne célèbre là-bas aux States. Ah non, c'est une île située au large de Los Angeles et prisée des trekkers. Bon, poudre de perlimpinpin, hein, on s'en bat les couilles, hein, mais bon. Donc macOS Catalina, le macOS 10.15, il sera disponible donc pour les derniers Mac, forcément. Après, je vous laisse aller chercher la liste de compatibilité, parce que moi, je l'ai pas encore. Alors donc, suppression d'iTunes, avec morcellement de tout ça, avec Apple Music, podcast, TV, le fait de pouvoir synchroniser son iPhone depuis le Finder du Mac, et une nouvelle fonctionnalité qui est juste géniale, c'est Sidecar. Alors, ça va pas te proposer d'aller faire des tours en moto, c'est juste que Sidecar va te permettre d'ajouter un écran à ton Mac. Comment ? Avec ton iPad. Ton iPad va enfin pouvoir te servir de second écran de ton Mac. Si tu as 4 iPads, bah tu peux rajouter 4 écrans à ton Mac et avoir 5 écrans au total. Bon, à mon avis, il y a une limite quand même, mais tu pourras du coup faire... Voilà, c'est comme ça le sens. Tu pourras faire de ton iPad un écran pour ton Mac, une extension d'écran. Alors ensuite, Voice Control. Alors, c'est une fonction qui permettait aux personnes un petit peu... en déficience de leur mobilité, tu vois, qui pouvaient pas forcément taper sur un clavier ou quoi, ça leur permettait de contrôler leur Mac à la voix, grâce à leur voix. Ils pouvaient taper du texte avec leur voix, commander le Mac, lui dire ouvre ça, ça et ça. Je crois que c'était ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça, Voice Control, donc bon. Et ben ça, ils vont encore l'améliorer. Surtout pour ceux, pour les handicapés moteurs. Pour vraiment les gens, comme chez lui, qui sont cloués dans leur chaise roulante comme ça et qui peuvent pas accéder grâce à leurs membres au clavier ou à leur Mac, tu vois, directement ils peuvent pas. Donc là, grâce à Voice Control et leur iPhone, des trucs comme ça, ça peut fonctionner, c'est génial. J'ai pas vraiment le détail du fonctionnement, mais c'est bien pour ces personnes là d'avoir pensé à faire avancer les choses. Il y aura une nouvelle fonctionnalité, ça s'appelle Find My, comme ça. Je vous laisse le traduire en français. En gros, ça va te permettre, ça va remplacer le localiser qu'on avait déjà sur iPhone, sur Mac et tout, qui nous permettait de localiser soit le Mac, soit l'iPhone, selon ce qui est perdu. Et bien là, Find My, c'est la même chose, sauf que tu pourras localiser ton appareil même quand il est éteint. S'il a du Bluetooth, ça va bien marcher parce que ça va utiliser les émissions Bluetooth de ton appareil. Et c'est comme ça que ça marche, même quand ton appareil est éteint, il émet du Bluetooth. Donc ça, tu vas pouvoir le retrouver. Il y aura encore quelques petits détails comme ça qui vont arriver sur ce macOS qui est génial. Le lancement public, ce sera à l'automne. Il y a déjà une version bêta, mais alors là,
c'est pour les testeurs qui sont inscrits et tout ça, tout le bordel là, hein, au programme Insider. Mais ça arrivera du coup cet automne. En parlant de macOS, donc du Mac, nouvelle version du Mac Pro pour remplacer celui-là, le Mac Pro poubelle avec une conception en triangle qui a pas pris du tout. La mayonnaise a pas pris, hein, cherchez pas, fini. Retour à une conception modulaire, c'est-à-dire que tu auras vraiment un truc, c'est un truc de fou. Je vous mets les images si je vous les trouve, mais tu pourras accéder à chaque composant pour les remplacer, les changer, ajouter de la mémoire, etc. En parlant de la mémoire, tu pourras foutre, écoute-moi bien, 1,5 Tera de RAM. Un petit peu. Des processeurs Xeon entre 8 et 28 cœurs avec des cadences de barjo, de fou. Du port USB-C en veux-tu en voilà. Des ports 3.0, des ports USB 3.0 aussi. Une alimentation pouvant aller jusqu'à 1400 watts. 1,4 kW, c'est fou. Et un module MPX pouvant embarquer toutes les cartes AMD. Voilà, les cartes graphiques AMD, donc par exemple une Radeon Pro 580X, j'ai inversé les deux, excuse-moi. Tu pourras en mettre deux dans le Mac Pro, grâce à ce module-là. Deux ports Ethernet, les ports USB-C et USB normal, j'ai déjà dit. En plus de ça, Apple refait une tentative d'écran pour remplacer le fameux LED Cinema Display qui existait à l'époque. Ce sera le Apple Pro Display. Alors attention, ça coûte une blinde. C'est horrible, ça coûte une blinde. Déjà, le Mac Pro tout seul, il sera disponible à partir de 6 000 €. Voilà. Et l'écran tout seul, lui, sera commercialisé à 5 000 €. À peu près, il y a les prix en dollars, c'est 6 000 et 5 000 $, mais c'est à peu près ça. Alors, si tu veux un pied pour ton écran, ça fera à peu près 990 $. Juste le pied. Tu vois, je doute que même les professionnels l'achètent. Tu vois, ça coûte une blinde. C'est horrible, ça coûte un corps entier. Bon, sinon pour les spécifications de cet écran-là, donc c'est un 32 pouces LCD, c'est du 6016 par 3384 pixels. Avec un contraste de 1 million sur 1 et une densité, une luminosité de 1600 nits. Le nit, c'est une unité pour mesurer la lumière. Voilà. 1600. Je devais chercher 1600. Voilà. C'est quoi ça, nit? Nit, 1600 nits. Ouais, mais alors, c'est argument, c'est 1600 nits. Je vais pleurer, d'accord? Donc t'arrêtes, merci. Voilà. Quand est-ce que ça sera dispo? J'en sais rien. Donc à chercher. Voilà. Une version très spécifique d'iOS pour les iPads. Ça s'appelle iPadOS. On savait déjà que ça commençait à tourner, tu sais, au niveau des iPads. Ils voulaient vraiment faire une sauce iOS, mais dédiée à l'iPad. Là, c'est fini. iPadOS. Une des grosses nouveautés d'iPadOS. Bon, déjà, tu auras le mode sombre, à mon avis, hein, comme sur iOS 13. On en reviendra juste après. Donc, tu pourras. C'est une des grosses nouveautés. Tu auras toujours le multitâche, mais tu pourras ouvrir deux mêmes applications. Avant, tu pouvais faire Facebook et YouTube. Maintenant, tu pourras faire deux YouTube ou deux Facebook. Ça, c'est cool. C'est cool pour les possesseurs de d'iPad, tout ça. Et avec la nouvelle mise à jour, ça va être encore du fun. Et donc là, Apple veut vraiment faire de son iPad un outil productif. Vraiment le rendre performant, plus performant qu'un Mac tout seul, par exemple. Ça va vraiment être un outil pour travailler. Sur iPadOS, ils vont réussir à réduire la latence de l'Apple Pencil, le crayon Apple, tu sais, quand tu... Ça va être réduit de 20 à 9 millisecondes. Tu vois, ils s'améliorent encore. Donc en gros, ça sera presque instantané, quoi. Je veux dire, tu remarqueras presque plus la latence quand tu vas dessiner, écrire à la main, tout ça. Bref, iPadOS, c'est une amélioration encore en plus pour les iPads. Voilà, j'ai pas vraiment de détails. Quand est-ce que ça va sortir ? Pareil, j'en sais rien, t'as qu'à chercher. Voilà. On est jamais mieux servi que par soi-même. T'as qu'à chercher, c'est tout. iOS 13. Alors là, j'ai même pas besoin de mes notes. C'est tellement génial. J'ai déjà tout en tête. Déjà le thème sombre. Alors là, en natif. T'auras même plus besoin d'aller faire une version des couleurs qui est dégueulasse en plus. Et puis ça marche pas bien. Là, vraiment, thème sombre natif. C'est-à-dire toutes les applications Apple qui sont en blanc, ça va devenir noir. Et même sur les applications tierces qui auront des mises à jour pour ça. Il y a certaines applis, tu peux déjà le faire aujourd'hui, mais là, ça va vraiment le proposer aux développeurs d'applications, leur dire, bah, iOS 13, il y a un mode sombre, est-ce que tu veux développer ton application aussi avec le mode sombre?
pour l'intégrer nativement à iOS, tu vois. Et ça c'est bien parce que moi je m'éclate les yeux, moi je fais gaffe à mes yeux, là. Je commence à faire attention parce que je me dis que je risque d'être aveugle très rapidement si je fais pas gaffe. Mais du coup ça va être très bien parce que du coup ça va réduire la fatigue visuelle et surtout le mode sombre, bah, sur les iPhone XS et XS Max, bah, les pixels noirs, bah, ils sont éteints. Du coup ça consomme moins de batterie et Jean-Michel pas con, hein. T'inquiète. Ils sont dans la place. En plus, merde, j'ai une nouveauté qui est venue en tête et je sais plus. Ah oui, en parlant de batterie, sur iOS 13, ça va limiter la charge totale de ta batterie à 80% dans le but d'améliorer sa durée de vie. Pour éviter de changer ta batterie trop prématurément. C'est-à-dire que il va charger jusqu'à 80% et il va s'arrêter à 80%. Alors moi, ce que je vois là, c'est réduction du temps de batterie sur ton appareil. Tu vois ? Au lieu d'être à 100%, t'es à 80%, tu perds 20%. Donc pour moi, ça veut dire réduction du temps de batterie. Sauf que pour ta batterie, c'est bien, parce que c'est ce qu'on préconise, c'est faire des cycles 80-20, tu vois, pour pas trop user la batterie. Le mec, il en peut plus avec sa AMD Ryzen, là, c'est ouf. Frère, ils ont annoncé... Attends. Il y a eu une conférence chez AMD, au Computex, aux États-Unis. Ils ont annoncé une nouvelle génération de processeurs AMD. Donc le Ryzen 7... Il y avait le 3000, je sais plus, bref, on s'en fiche, mais il y a le Ryzen, il y a un nouveau Ryzen 7 3ème génération, mais 3800X, et il y a surtout le Ryzen 9. Le Ryzen 9, les mecs, putain, le mec, ça il y est, ah ouais, mais en fait, il y a plus de 8 coeurs parce qu'ils étaient, bloqués à 8 coeurs, et là ils passent au-dessus de 8 coeurs, un truc de fou, hein. AMD, les mecs, un truc de fou. Voilà, un truc de fou, un truc de fou. Retour à la WWDC. Hop là, et je suis pas Thibaut avec mon micro là, c'est incroyable. Bon, la qualité elle est un peu pas terrible parce que je fais ça avec mon PC, j'ai pas de carte son, donc bon, ce sera mieux un peu dans le futur. Voilà, grosso merdo pour iOS 13. Donc le thème sombre, quelques améliorations sur Apple Music, le SwiftK sur le clavier d'origine. Apple, voilà, tu pourras taper enfin tes mots en faisant comme ça là, du slalom entre les lettres, génial. Voilà, quelques nouveautés avec Apple Music aussi, l'application Rappel qui va être un petit peu refondue, plan aussi, la cartographie va être refaite. Ils vont détailler encore plus la cartographie et surtout ils vont intégrer une espèce de Google Street View à la Apple dans plan. Tu vois un peu le délire ou pas? Parce que c'est bien, enfin je me rends pas compte mais c'est bien. Bon, pour l'instant, pour cette fonctionnalité de vue 3D comme ça, c'est disponible que aux States. Et encore, c'est pas entièrement fini. Par contre, dans les autres pays, on sait pas. Hein. Tu veux savoir? Bah, tu cherches. Je peux le faire à ta place. Tu cherches, c'est tout. Allez, au revoir. Voilà, c'est à peu près les grosses nouveautés. Bon, il y a aussi des trucs de vie privée. Bah si, voilà, bah si. Ça, je peux pas passer à côté. Se connecter avec Apple, ce sera une fonctionnalité qui va te permettre d'avoir une adresse mail temporaire générée par un système d'Apple pour éviter de donner des informations personnelles au site auquel tu vas t'inscrire. Tu vois un petit peu ? Ça va te donner une adresse mail temporaire du style fe45jpz489@appleid.com. Voilà, je crois que c'est ça le terminatif à la fin, mais voilà. Ça va il en peut plus de sa vie. Et ça va te donner ça donc comme adresse mail dans le but d'éviter de donner des informations personnelles qui te concernent toi. Et c'est sécurisé et tout. Enfin bref, c'est vraiment c'est la vie privée chez Apple, ça commence à devenir du sérieux. Alors après, Apple eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils en font des données? Je sais pas. Hein, je travaille pas là-bas, mais voilà. Et du côté du HomePod, bon, pas grande nouveauté. Voilà, pas grande nouveauté du côté du HomePod. Je te laisse aller voir, il y a quelques détails qui changent quand même, mais voilà. Pas grande nouveauté. TVOS et WatchOS. Alors TVOS, t'auras une nouvelle interface, un petit peu mieux. Elle en avait besoin en fait de cette mise à jour d'interface sur TVOS. TVOS, c'est ce qu'il y a sur l'Apple TV, si tu te demandes. Donc il y aura une nouvelle interface, il y aura du multi-compte. Voilà, donc si vous êtes à 4 dans la famille, vous avez 4 comptes, vous pourrez connecter 4 comptes sur l'Apple TV et avoir vos recommandations personnalisées à vous, à toi, là, ici, là. Je te montre du doigt, j'en ai rien à foutre. Donc tu pourras avoir tes personnalisations de séries, de films, de trucs, de jeux, de machin, de trucs. Il y aura Apple Arcade aussi qui te permet de télécharger des jeux et tout, d'avoir une plateforme de jeux synchro avec tout. Et tu pourras, ça sera pareil sur les iPhones, les iPads et tout, tu pourras connecter des manettes externes, des manettes de jeux externes
des manettes de PS4, DualShock, des manettes d'Xbox et tout, sans devoir racheter des manettes à côté pour que ça marche. Là, il y a le support des manettes externes comme ça qui arrive enfin sur iOS 13 et sur tvOS. WatchOS, là aussi, quelques petites mises à jour, notamment l'App Store dédié à WatchOS, c'est-à-dire à la montre, à l'Apple Watch. Là, t'auras plus besoin de passer par ton iPhone pour télécharger l'application dédiée à ton Apple Watch. Ce sera vraiment l'Apple Watch qui va se démerder elle-même. Des améliorations au niveau de tout ce qui est santé, au niveau des trackers d'activité, des trucs qui... Tu vois, des améliorations à ce niveau-là. Il y aura aussi des nouveaux cadrans aussi, les cadrans qu'il y a derrière les aiguilles, des nouveaux styles visuels en fait pour ton Apple Watch, comme d'habitude. Bref, des petites nouveautés comme ça, pas piquer des hannetons sur l'Apple Watch. Et globalement, c'est tout. On a à peu près fait le tour de ce qui a été annoncé à la WWDC. C'est une grosse vidéo, hein. Mais vous voyez, je devais la faire propre parce que j'avais déjà fait en live sur Facebook lors de la WWDC. C'est le bordel. Et donc voilà, bah c'est tout. C'est toutes les annonces qu'il y avait. Si tu as si tu as vu d'autres choses, tout ça, bah très bien. C'est que t'es observateur. Et j'attends iOS 13. Dès que je l'ai sur mon iPhone, bah je vous fais un petit tour du proprio. On se fait ça tranquillement. Et ça fait plaisir. N'oublie pas l'adresse carretabonné@gmail.com, s'il te plaît. J'ai tapé dans le micro, je crois. Je te la mets à chaque fois dans le générique de fin. C'est pour pouvoir faire des petits essais pour Carette, c'est gratos, je ne demande rien, aucune rémunération, je me déplace chez toi si t'es trop loin, je m'arrange en tout cas pour me déplacer. Donc une photo de ta voiture, un petit descriptif, ce qu'elle a comme moteur, la finition, le kilométrage, tout ça, hein, un truc, pas besoin d'être sophistiqué, hein. Tu m'envoies un petit mail tranquillou, il n'y a pas de souci. Moi je m'arrange après, on s'arrange en privé, tu vois, je te demande tes coordonnées, et puis il n'y a pas de souci là-dessus. carretabonné@gmail.com, c'est pour Carette, c'est pour faire des essais, j'ai envie de mettre ça en route, s'il vous plaît, allez-y. Abonnez-vous surtout à la chaîne, on doit être 350 avant l'été, allez-y, c'est pareil, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche aussi, pour rater rien du tout, mais c'est pas français. Abonne-toi, on est 323, je crois, 322, 323, 324, je sais plus. Voilà, on n'est pas assez. 350 avant l'été, voire même objectif 400 avant la fin de l'année. On peut le faire, on peut le faire. Mets un pouce bleu sous cette vidéo, s'il te plaît. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Ça dépend de ce que tu as regardé cette vidéo. Ciao, ciao. Lui, il est à fond avec sa AMD. Hein. Ah, il en peut plus de sa vie. Bon, mais il en peut plus de sa vie. Il est cassé, si tu veux que je te dise.